L'histoire attend la suite. La première fois que j'étais entré au Café Panique, en compagnie de Cusec, qui tenait à me présenter verre en main, avec lequel, selon lui, j'étais fait pour m'entendre. J'avais trouvé l'endroit formidable. Tous les vins qu'on avait pris ce jour-là étaient bons. Deux minutes, la fille qui servait au comptoir, souriante, et la porte si proche qu'on avait l'impression d'être sur le trottoir de la rue de Rivoli. Ce sont les détails qui comptent pour un bistrot. Et puis, c'était important, la lumière était belle, en partie grâce à la patine des murs et du plafond, mais aussi peut-être parce que les globes de verre dépolis n'étaient pas propres. Il régnait une atmosphère dorée qui embellissait tout le monde. En revanche, le téléphone était au sous-sol à côté des toilettes immondes, mais à Paris, il ne faut pas demander l'impossible. Je m'étais bien entendu avec Verre en main et les autres. On avait passé la majeure partie de l'après-midi à discuter de n'importe quoi, lorsque Volo me demanda à brûle-pourpoint ce que je faisais dans la vie. « Oh, des trucs !» répondis-je sans me mouiller. « Comment ? Tu ne sais pas qui c'est ?» s'exclama Cusec, vantant la marchandise. « C'est un humoriste. Il fait des dessins terribles. Des gens coupés en morceaux, des bébés cloués sur des portes, des pièces de théâtre où les acteurs sont envahis par la merde. » Volo se souvint vaguement d'avoir entendu parler de moi. « Tu es un comique, quoi ?»« Pas vraiment. Enfin, si tu veux. Parce que les comiques, ils me dépriment. » C'est vrai ça, j'aime pas être obligé de rigoler sur commande. Je le rassurais comme je pus. Il pouvait fondre en larmes, je m'en tamponnais le coquillard. Parce que vois-tu, expliqua Volo soulagé, j'ai connu un comique. Ce type, attend la suite, avait végété pendant une dizaine d'années dans tous les cafés-théâtres de la rive gauche, jusqu'à ce que le grand impresario 50-50 le prenne dans son écurie pour remplacer sa vedette qui venait de mourir à la suite d'un pari stupide après avoir englouti une grosse caisse d'escargot en 20 minutes. Il devina tout de suite les possibilités d'attendre la suite, à condition de le faire évoluer dans un sens plus populaire, de mieux dessiner son personnage et de lui trouver de bons gagmen. De son côté, attendre la suite en voulait, comme on dit. Il était travailleur, pas borné, et il savait apprécier à leur valeur les conseils intéressés de 50-50. Leur association porta rapidement des fruits inespérés. Attends la suite grimpa comme une fusée au sommet du box-office. En quelques mois, il atteignit une popularité bien supérieure à celle de Aha. Le chiffre de ses cachets comportait autant de zéros qu'un cachet d'Alka-Seltzer fait de bulles dans un verre d'eau. Sa renommée traversa l'Atlantique. Il devint la coqueluche des Américains, mais il ne pouvait rester plus d'un mois à l'étranger. Car, disait-il gravement, c'est le public français qui me donne ma légitimité comique. 50-50 couvait sa poule aux œufs d'or, avec un amour plus que maternel. Il éprouvait une indicible angoisse à l'idée qu'attend la suite puisse le quitter, tomber malade ou être victime d'un accident. Il l'obligeait à se nourrir de produits sans colorants, selon un régime de santé très strict, et il le faisait suivre régulièrement par les plus grands médecins. D'ailleurs, il refusait la plupart des engagements pour éviter le surmenage. Quand les malheurs se mirent à pleuvoir sur la tête du pauvre comique, nul n'aurait pu accuser 50-50 d'avoir manqué de prévoyance. D'abord, attend la suite perdit sa femme. Au cours d'une tournée dans un pays chaud, elle attrapa un virus et mourut en 2 jours. La culpabilité qu'il éprouva décupla son chagrin. Les médias abreuvèrent le public de révélations sur le drame, brodant à l'infini sur le thème de clown triste qui doit néanmoins continuer à faire rire. La dure loi du spectacle, voilà comment il présentait la chose. 50-50, compréhensif, résilia tous les contrats de sa vedette et lui conseilla de prendre des vacances pour se remettre. Mais au cours de ses vacances, justement, la fille unique d'attend la suite, qu'il chérissait d'autant plus qu'elle était le portrait de sa mère, se noya bêtement, victime d'hydrocution à 2 mètres du rivage, le jour de son 5e anniversaire. Fou de douleur, attend la suite se jeta par la fenêtre du 5e étage de son palace. Il ne se tua pas, mais se bousilla les vertèbres au point qu'il ne put se déplacer autrement qu'en petite voiture, esserré dans un corset de métal qui le torturait. Cette suite d'événements tragiques fut scrupuleusement relatée par les médias, avec un grand luxe de détails. La fibre sensible du public fut grattée à vif. Les gens sanglotaient au simple nom d'attendre la suite. Ils lui envoyèrent des milliers de messages de sympathie, des lettres d'encouragement, mouillées de larmes. Dans la rue, des inconnus l'abordaient pour lui serrer la main en prononçant des phrases bien senties du genre « Tenez bon, il faut remonter la pente, on est tous derrière vous ». 50-50 repoussa la date des engagements prévus. « Tu sais, disait-il, je comprends très bien que tu n'aies plus envie de faire ce métier. Ne te casse pas la tête pour moi, j'en trouverai un autre. On peut carrément annoncer que tu te retires de la scène. »« Pas question, » répondit attend la suite. « Le public, c'est ma famille.
Depuis que j'ai perdu le reste, j'ai encore plus besoin de lui. Mon destin, c'est de le faire rire. Je me dois à lui. » 50-50 écrasa furtivement une larme et étreignit avec force l'épaule de son courageux ami. Mais la série noire n'était pas terminée. Quelques jours avant le grand gala de rentrée datant la suite, sur une scène parisienne, 50-50 passa sous les roues d'une arroseuse municipale. À l'équipe de télévision qui vint l'interviewer après l'enterrement, le comique se borna à déclarer « Aujourd'hui, je pleure un ami, mais le spectacle doit continuer. » Stoïque, il poursuivit ses répétitions. Tout le monde pleurait en écoutant ses monologues les plus désopilants, en regardant ses mimiques les plus irrésistibles. Certes, il était un peu handicapé par son fauteuil roulant, mais le génie d'attendre la suite était tel qu'il profitait de cet inconvénient. Le directeur du théâtre, les yeux rougis et les glandes lacrymales à sec, fit une déclaration à la presse, dans laquelle il jurait d'avoir jamais vu un comique pareil dans toute son existence. Les journalistes écrivaient fébrilement sur leurs blocs détrempés de larmes. Les Kleenex humides jonchaient le sol. Il régnait une atmosphère de recueillement et de dignité rarement atteinte lors de la visite du pape à Paris. Mais lorsqu'attend la suite apparut, un peu plus tard, au lever du rideau, l'ovation qui l'accueillit égalait en ferveur celle qui salua le général de Gaulle à la libération de Paris. Bouleversé par ce témoignage d'affection de la part de son public, attend la suite fut incapable d'entamer son premier sketch, tellement il avait la gorge serrée. D'abord surprise par le silence de son comique favori, la salle finit par comprendre ce qui se passait. Des bravos crépitèrent. Les spectateurs, debout, acclamèrent attend la suite qui, lui, restait assis, ne pouvant faire autrement. L'émotion était à son comble. Soirée inoubliable. Ayant récupéré l'usage de la parole, l'artiste, en reniflant, put enfin se lancer dans son histoire du chirurgien aveugle. Le public gémissait à fendre l'âme, ayant présent à l'esprit les épisodes tragiques qui transparaissaient sous la drôlerie de façade. Mais le fond du désespoir fut atteint lorsqu'il interpréta son morceau de bravoure, le virtuose qui défend son piano, pris à l'abordage par des pirates tout en jouant la marche funèbre de Chopin. Il y eut plusieurs évanouissements, et l'on vit d'honorables hommes d'affaires sangloter dans leurs mouchoirs. Des femmes se tordaient les mains en poussant des cris déchirants, et les machinistes, incapables d'assurer plus longtemps le déroulement du spectacle, baissèrent prématurément le rideau. Il n'y eut qu'une seule ombre à ce tableau triomphal. Un jeune provocateur, qui avait eu le culot de rigoler au milieu de la tristesse générale, faillit être lynché par la foule. Attend la suite à la souper d'une gratinée à l'oignon, en compagnie de quelques amis fidèles dans une brasserie à la mode. « Et maintenant, quels sont tes projets ?»« Continue à faire rire, c'est le plus beau métier du monde. »